Salut chers amis et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons poursuivre la résolution des items que nous avions ébauché dans la vidéo précédente. Et ici, nous allons résoudre l'exercice numéro 4 et 5. Alors, au numéro 4, on nous dit un mobile a pour équation horaire x égale à t cube moins 9t. En se basant sur l'étude du signe du produit de la vitesse du mobile par son accélération, on peut montrer que le mouvement est accéléré dans l'intervalle de temps. On nous propose des assertions. Il s'agit ici de trouver l'intervalle de temps. L'intervalle de temps auquel les produits de la vitesse, pardon, auquel le mouvement est accéléré. Donc, auquel le mouvement est accéléré. Donc, il s'agit de trouver cet intervalle de temps. Alors, nous allons résoudre ça ensemble sans plus tarder. Résolution. On a l'équation horaire x égale à t cube moins 9t. Alors, nous devons chercher l'expression de la vitesse et de l'accélération parce que l'étude des signes de ces produits ou du produit de la vitesse par l'accélération, c'est ce qui va nous indiquer l'intervalle qu'on est en train de chercher. Donc ici, pour chercher la vitesse, lorsqu'on a l'équation horaire, c'est simple, il suffit de chercher la différentielle ou la dérivée de l'abscisse par rapport au temps. Donc on aura 2 sur 2 dt, de quoi? De t au cube moins 9t. Alors, quand on dérive cette expression par rapport au temps, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 3t carré moins quoi? Moins 9. Donc, on a la vitesse qui vaut 3t carré moins 9. On appelle ça relation 1. Et puis, quand on a l'expression de la vitesse, on peut chercher l'expression de l'accélération. C'est d dv sur 2 de t. Donc, on aura 2 sur d de t, des quoi? Des 3t carré moins 9. Et à ce stade, qu'est-ce que nous allons avoir? On va faire la même chose. Donc, on aura ici 6t. Donc, l'accélération vaut 6t. Alors, je vous ai dit dans les vidéos précédentes et je ne cesse de le répéter. Lorsque vous travaillez en mathématiques comme en physique, il faut tenir toujours compte des assertions. Voyez comment les assertions sont formulées. Et ça peut vous donner l'idée sur ce que vous devez faire. Donc, ça va vous aider à faire des très bonnes gymnastiques pour aboutir à la réponse exacte. Alors, si on observe bien les assertions, on voit qu'il y a la présence des racines, la racine carrée de 3. Alors, on voit que c'est un peu partout où il y a la racine carrée de 3. Donc, nous allons utiliser un peu une technique, si possible, de se rapprocher de ces différentes expressions. Qu'est-ce que nous allons avoir? On prend l'expression de la vitesse. Ça implique quoi? On a la vitesse est égale à 3t au carré moins 9. Donc ici, on peut déjà factoriser les 3. Quand on met 3 en évidence, on reste avec t carré moins 3. Ça va? Alors ici, on a la présence d'une identité remarquable. Ici, on peut utiliser une identité remarquable pour changer un peu cette expression ici, écrire ça autrement. C'est quelle identité remarquable? C'est a carré moins b carré qui nous donne a plus b facteur de a moins b. Vous les connaissez depuis la première année et la deuxième année CO. Donc l'actuel 7e et 8e. Et donc ici nous avons quoi? Nous avons t carré moins 3. Alors comment écrire cette expression sous donc changer l'écriture de cette expression de manière à avoir une écriture un peu plus proche de celle-ci. C'est simple, lorsqu'on a 3, pour relever ça au carré, donc on va avoir la racine carrée des 3, les tout élevé au carré. Lorsqu'on a la racine carrée des 3, les tout élevé au carré, ça nous donne 3. C'est la même chose avec t carré moins 3. Mais sauf que ici on a obtenu une expression qui nous permet d'appliquer cette identité remarquable. Vous pouvez vérifier ça
vous avez la racine carrée des nombres, les taux élevés au carré, ça donne ces nombres. Pourquoi? Parce que quand on a la racine carrée des A, la puissance ou l'exposition des A, c'est 1. Et ici, on a l'indice. S'il faut enlever ces signes des racines, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons avoir A exposant 1, qui représente sa puissance, divisé par l'indice. L'indice, on dit la racine carrée, l'indice est égal à 2. Les taux exposant 2. Or, il y a une propriété sur la puissance qui dit que lorsqu'on a A exposant M, les taux exposant N, ça nous donne A exposant M multiplié par N. Donc ici, on va avoir A exposant 1 demi multiplié par 2, ce qui nous donne A exposant 1. Or, tout nombre exposant 1 vaut l'unité, ou pardon, vaut ces nombres-là, est égal à ces nombres. Donc A exposant 1 est égal à A. Donc ici, on conclut que la racine carrée des nombres, les taux élevés au carré, donne ces nombres. Donc ici, on a la racine carrée des 3, les taux au carré, ça nous donne toujours 3. Et donc, on peut appliquer cette identité remarquable. En l'appliquant, nous allons obtenir t plus racine carrée des 3, facteur de t moins racine carrée des 3. Si vous multipliez ça, vous allez obtenir exactement t carré moins 3. Eh bien, à ce stade, qu'est-ce que nous allons avoir? Donc, on change automatiquement l'écriture de la vitesse qui va s'écrire désormais de cette façon. 3, on a un coefficient qui était là, hein, un facteur. 3 facteurs de quoi? De cette expression qui s'écrit sous cette forme. Donc, on va avoir t plus racine carrée des 3, facteur de t moins racine carrée des 3. Vous voyez déjà, petit à petit, nous nous rapprochons de ces assertions. Alors, on va... l'accélération ne pose pas un problème. On a cité, ça ne pose pas un problème. Alors, nous allons passer maintenant à l'étude des signes. Nous allons passer à l'étude des signes. D'abord, il faut trouver le valeur qui annule ces différentes fonctions parce qu'il s'agit des fonctions. Ça, c'est une fonction linéaire. Hein? Ça, c'est une fonction quadratique. Ça, c'est une fonction quadratique. Ça, c'est une fonction linéaire ou une fonction affine. Donc ici, nous allons avoir si t égale à 0 et donc le temps est égal à 0. Ou t est égal à 0. Donc si t égale à 0, t égale à 0. Donc cette fonction s'annule au point t égale à 0. Et l'autre là, on a 3 facteurs de t plus racine carrée des 3. Ça va. Facteur de t moins racine carrée des 3 égale à 0. Ça, c'est une équation reductible. Vous savez que lorsque vous avez A fois B égale à 0, ceci veut dire quoi? Ça veut dire que A est égal à 0 ou B est égal à 0. Donc ici, les 3 ici, laisse tomber. Et on va rester avec ceci. Donc on aura T plus racine carrée des 3 égale à 0. Donc T serait égal à moins racine carrée des 3 ou T moins racine carrée des 3 égale à 0 et T serait égal à racine carrée des 3. Et ceci nous permet d'étudier maintenant les signes du produit qu'on nous demande ici. Donc on va passer par les tableaux. On trace les tableaux. Donc on aura ici, c'est quelle variable? C'est t qui va de moins l'infini à plus l'infini. Hein? Moins l'infini à plus l'infini, là c'est l'ensemble de réel parce que on fait cette étude sur l'ensemble R. Et nous avons combien de valeurs ici? Nous avons 3 valeurs, notamment moins racine carrée des 3, qui est la plus petite, on a 0 et on a plus racine carrée des 3 ou racine carrée des 3. Et on a combien de fonctions ici? Nous avons la première fonction, c'est l'expression de la vitesse. Hein? L'expression de la vitesse qui est là. Donc on a, si vous voulez bien, on va avoir ici 3 d'abord, 3. Ça va, on va avoir t plus racine carrée des 3. Hein? On va avoir t moins racine carrée des 3. Et nous allons avoir quoi? Nous allons avoir 3 facteurs de t plus racine carrée des 3. Facteur de t moins racine carrée des 3. Et là-bas, nous allons avoir quoi? Nous allons avoir l'accélération. Ça va? L'accélération, c'est 6t. Et à la fin, nous allons avoir les produits de l'accélération. Hein? Les produits de la vitesse par l'accélération. Ça va? On va avoir ici la vitesse multipliée par l'accélération en bas. Ça va? Alors, les 3, c'est une fonction qui est constante. Ça va?
puisque c'est une fonction constante, on va avoir les signes des A partout. On aura ici plus, 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 plus et plus. Et T plus racine carrée de 3, c'est une fonction affine. C'est une fonction affine. Donc ici, il faut trouver d'abord cette fonction s'annule au point T égale à quoi? À moins racine carrée de 3. Donc, moins racine carrée, lorsqu'on prend moins racine carrée de 3, on remplace dans cette fonction, on trouve 0. Et donc, puisqu'il s'agit d'une fonction affine, on va avoir les signes des A, signes contraires des A. Signe des A, c'est quoi? C'est plus. Signe contraire, c'est moins. T moins racine carrée de 3, fonction affine, ça s'annule au point T égale à quoi? À racine carrée de 3. Racine carrée de 3, on va avoir signe des A plus, signe contraire, c'est moins. Et les produits, qu'est-ce que ça nous donne? Les produits, donc la vitesse, ça va nous donner quoi? Moins fois moins, ça nous donne plus. Un nombre, donc 0 fois un nombre, ça nous donne 0, n'est-ce pas? Un nombre, plus fois moins, ça nous donne moins. Plus fois moins, ça nous donne moins. Plus fois moins, ça nous donne moins. Et un nombre multiplié par 0, ça nous donne 0. Et plus fois plus, ça nous donne plus. Eh bien, c'est ça la vitesse. Alors, on va voir l'accélération. L'accélération s'annule au point t égale à 0. Donc, lorsqu'on remplace 0 dans cette fonction, on trouve évidemment 0. On va remplacer les 0 ici. Ça va, c'est une fonction linéaire, ça va, une fonction linéaire, parce que le b est égal à 0. Et donc, on va avoir les signes de a, signe contraire de a. Signe de a, c'est quoi? C'est plus. Signe contraire, c'est quoi? C'est moins. Alors, à la fin, nous allons faire quoi? Nous allons étudier les signes du produit de la vitesse par l'accélération. Donc, nous aurons ici, on aura ici plus multiplié par moins. Ça nous donne quoi? Ça nous donne moins et 0 multiplié par un nombre, ça donne 0. Moins fois moins, ça donne plus. Un nombre multiplié par 0, ça donne quoi? Ça donne 0. Plus multiplié par moins, ça donne moins. 0 fois un nombre, ça donne 0. Et plus, plus multiplié par plus, ça donne plus. Et donc, voilà, on nous dit ici de trouver l'intervalle auquel le mouvement est accéléré. Or, le mouvement est accéléré dans quel intervalle? Dans un intervalle positif. Ces intervalles doivent être positifs. Quels sont les intervalles positifs ici? Nous en avons deux. Nous avons cet intervalle et l'autre intervalle. Et donc, on va dire que l'intervalle, les mouvements est accéléré dans l'intervalle. C'est dans quel intervalle? C'est cet intervalle ici. On va de moins racine carrée de 3. Ça va? Moins racine carrée de 3. Moins racine carrée de 3. À quoi? À 0. Ça va? Ouvert, union. Union quoi? Racine carrée de 3. Ça va? À quoi? À plus l'infini. Donc, moins racine carrée de 3 à 0. Union racine carrée de 3. À quoi? À plus l'infini. Alors, nous allons voir ça ici. Moins racine carrée de 3 à 0. Union. Ici, union 0 à plus à racine carrée de 3. C'est pas ça? Moins racine carrée de 3. Donc ici, c'est moins l'infini. Moins racine carrée de 3 à 0. Oui. Union racine carrée de 3 à plus l'infini. Donc, c'est l'assertion in. C'est cette assertion. C'est ça la bonne réponse. Voilà pour cette question. Comment vous pouvez réfléchir pour résoudre une telle question qui y est souvent posée au cours des épreuves d'examen d'État. Alors, à la vidéo suivante, nous allons aborder le numéro 5 et vous verrez que c'est également facile. Voilà, on s'arrête là pour cette vidéo.